Bonjour, vous êtes à l'Arbre des Lys. Je suis ici installé à Victor Hugo, au marché Victor Hugo depuis plus de 28 ans. Ma spécialité essentielle, c'est tout ce qui est à base de porc noir de Bigorre. Il faut savoir que le porc noir de Bigorre dont vous avez un jambon ici, c'est un porc qui avait été abandonné il y a une dizaine d'années. C'est un porc noir et il ne se reproduit pas en captivité, donc certains éleveurs l'avaient laissé tomber. Et depuis une dizaine d'années, il y a un consortium d'éleveurs qui s'est formé pour recréer la race. C'est un porc qui est élevé en plein air avec une charte très rigoureuse. C'est un porc noir de Gascogne qui est élevé suivant la charte du porc noir de Bigorre. Donc du côté de Tarbes, on est contrefort des Pyrénées. Ma spécialité, c'est surtout le porc noir de Bigorre avec tous les dérivés, saucisses, saucissons, jambon et viande fraîche. Merci. Voilà. Est-ce que je vous fais cadeau d'un ticket parking, voire deux, ou ticket métro? Un ticket de métro, si j'ai trop de voiture. Allez, ça marche. Au plaisir. Depuis 4 ou 5 mois, j'ai réussi à décrocher la marque Petrosian pour les crabes, caviar, saumon. Après, vous trouverez aussi chez moi, depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans, je fais des escargots de Bourgogne frais, jamais congelés, prêts à réchauffer. Vous trouverez aussi des truffes fraîches qui viennent de la Benque. Celle-là ? Oui, allez, go. Elle devrait être bien. Allez, on va peser ça. Et vous trouverez toutes sortes de tapas pour les apéritifs, notamment les châtaignes confites que vous pouvez manger soit en apéritif chaud ou froid, soit pour accompagnement de viande et toute volaille. Je vous attends avec impatience, en forme et de bonne humeur, à l'Arbre des Lys, tous les jours sauf le lundi. Voilà, au revoir.